prennent une place plus importante. C'était la gymnastique rythmique et sportive qui maintenant devient une épreuve à part entière pour ces 4e internationaux de France avec maintenant Bautista au cerceau. Oui, en effet, je crois que c'était pas évident au départ la mise en place de la GRS. On a voulu privilégier la GRS justement en la situant dans ce grand tournoi mondial, en lui donnant une place privilégiée, c'est-à-dire elle est passée le samedi soir dans la forme de tournoi. L'année dernière, la GRS intervenait en tant que démonstration. Cette année, elle a eu sa place complète dans le tournoi, avec là aussi les meilleurs gymnastes mondiaux. Et je crois que tous les pays ont répondu à cette demande de placer, de voir la GRS dans le tournoi de Bercy. Nous allons voir un petit échantillon des quatre accessoires différents de la GRS, qui sont le cerceau que vous voyez actuellement, ensuite le ruban, la corde et le ballon. Le principe, il faut que l'objet soit en permanence en mouvement. Voilà, tout est comptabilisé, la hauteur des lancers, les réceptions. Et la gymnaste doit toujours être en harmonie avec la musique, bien sûr. C'est une discipline qui se développe en France et dans le monde entier. Là, vous voyez actuellement donc l'Espagnol. L'Espagne qui est l'une des meilleures nations mondiales, avec la Bulgarie bien sûr et l'URSS. La France est en grand progrès dans ce concert international de GRS. Et vous pourrez retrouver tous ces championnes au prochain tournoi international d'Evry.